présente nos bacs. On a un bac qui est dédié au SPS, qui est un peu vite parce qu'on va avoir un arrivage. On est en train de le préparer. Là-bas, de l'autre côté, on est sur les LPS. Donc dans le futur, nous allons rajouter plusieurs piscines pour qu'on se lance dans la culture, puisque en plus des nouvelles lois qu'on va rencontrer ici en France, ça va être de plus en plus compliqué d'avoir des pièces de culture d'Indonésie et même d'Australie, puisque l'Australie c'est pas de la culture, c'est en mer, ce qui est un peu dommage. Voilà, aujourd'hui un petit message pour l'État, pour voir que les passionnés qui font ce type d'aquarium sont une banque de culture mondiale. C'est-à-dire si demain il y a un problème, on sait que ces gens-là possèdent des pièces qui pourraient intéresser pour repeupler des parties dans l'océan. Et c'est vachement important. Les particuliers qui ont cette passion-là et qui le font bien, c'est une banque de culture, de pousses de coraux. Et il ne faut pas négliger ça, c'est très important. Hein? Même si vous avez besoin qu'ils se déclarent pour le faire, mais n'allez pas les embêter. Ils se déclarent, vous savez qu'ils ont, on ne les embête pas, on les laisse faire. Parce que demain, si vous avez besoin, je dirais pour le monde, hein, pour le bien-être, partout dans le monde, il y a des gens qui cultivent pour leur passion. Et ça, c'est primordial. C'est moi, primordial. Moi, en tant que passionné, je peux dire qu'aujourd'hui, si on me demandait de stocker et de préserver donc, des bouts de coraux pour pouvoir repeupler les océans, je le ferais avec passion et j'offrirais des boutures à tout organisme qui souhaite repeupler les océans où il trouve plus ces boutures-là dans la nature.